Et yo les petits potes, c'est Rocky, on se retrouve sur XDéfiante pour ma première vidéo, un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui me plaît pas mal du tout, qui change un peu de Warzone sur lequel j'ai l'habitude de jouer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit gameplay avec la M4A1, qui est la première arme que je monte. Et je vais également vous montrer la classe, surtout, c'est probablement ça qui va vous intéresser. Alors, je suis que niveau 20, hein, cette arme, elle a plus de 40 niveaux, donc je suis même pas à la moitié, en fait, de l'arme. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé un setup qui me correspond bien et qui fait mal. Donc, ce setup est composé du silencieux allégé pour être plutôt discret. J'ai pas mis de canon, puisque les canons, les premiers, j'arrive pas trop à trouver un bénéfice à leur utilisation. Je joue avec la poignée inclinée pour tout ce qui est stabilité de visée et contrôle du recul, sans trop pénaliser la vitesse de déplacement. En viseur, je joue le viseur réflexe, qui, je trouve, est super. Et j'aime pas trop les autres viseurs que j'ai débloqués sur la M4A1 pour le moment. Le chargeur, j'utilise le chargeur rapide pour le moment. Peut-être que j'utiliserai le chargeur express quand je l'aurai débloqué. Mais donc du coup on a 35 balles avec ce chargeur, ce qui est très bien. Et puis une poignée lourde quand même pour la poignée arrière afin de contrôler le recul. Et franchement, cette classe M4A1, elle fait le café. Profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Camouflage actif. Thank you.
Vous êtes en défense. Repoussez le paquet ennemi. Gagner cette révolution sans l'aide de personne. On a le temps.